C'est l'heure de l'échauffement pour les coureurs du cross départemental UNSS de la Vienne. Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, même la météo très fraîche n'a pas entamé la motivation des élèves. L'objectif, c'est de terminer premier pour être qualifié au régional. À fond, à fond. C'est de s'amuser et de remporter quand même, d'être premier. Mais même si ça avait été dur. D'habitude 2000 à participer à ce cross, il n'était que 500 élèves au départ de la course. Une jauge limitée sans les lycéens et un protocole Covid très strict pour éviter au maximum les contacts entre élèves. On va essayer de faire au mieux aujourd'hui pour respecter les gestes barrières, pour respecter les groupes paquets de brassage et qu'ils puissent quand même participer et s'amuser comme d'habitude. Pas de classement individuel, juste une course par équipe et en relais. Les organisateurs ont dû rivaliser d'imagination pour créer un parcours Covid compatible. On a fait une course en relais pour limiter le nombre d'élèves en même temps sur le parcours. Donc c'est l'originalité. Et en plus, on a une course qui se déroule Benjamin et Minime sur deux parcours différents. Sur l'hippodrome, on avait de la place. Donc on a fait deux boucles différentes. Malgré la fête, l'inquiétude sur des prochaines annonces du gouvernement était dans les esprits. Pour les participants comme pour les professeurs, cette course pourrait être la dernière de la saison. On espère avoir la possibilité de faire d'autres journées du UNSS, même si on sait que voilà, le Covid, c'est en train d'exploser un peu partout. Et donc on profite au maximum des journées qui peuvent permettre aux gamins de rencontrer d'autres bahuts, d'autres élèves et de pouvoir s'éclater sur une journée comme ça. Preuve que le Covid a eu une incidence sur la pratique sportive UNSS. Depuis le début de la pandémie, en France, le nombre de ces licenciés a été divisé par deux.